بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la partie TD numéro 1. C'est des travaux dirigés pour les généralités des signaux. La fois passée, nous sommes à la partie. Dans l'exercice numéro 1, c'est pour la représentation des signaux suivants. Dirac de T plus 2, Dirac de T moins 3, 2 fois Dirac de T moins 1. Deuxième signal, c'est un échelon de T moins 1, un échelon de multiplié par 2, 2 échelons de T plus 2, Y de T, c'est échelon de T moins 1 moins 2 échelons de T plus 2. Quatrièmement, c'est Z de T qui est égal à une rampe de T moins 1 moins 2 R de T moins 2 plus une rampe de T moins 3. Quatre cinquième signal, Y barre 3 rec de T moins 1,5 plus rec de T moins 2 sur 2. C'est clair? On a l'exercice numéro 2. On considère les deux signaux suivants. X1 de T, l'égal à l'échelon U de T, moins U de T moins 2. On a epsilon de T, il y a échelon unitaire. Où R, c'est la rampe. X2 de T, il y a moins R de T moins 2. Moins 2R de T moins 3, moins R de T moins 4. Donnez la représentation graphique des deux signaux. Quelle est la nature des deux signaux? Calculez l'énergie du signal X1 de T. En déduire la représentation graphique de X3, l'égo à la somme X1 plus X2. Nous avons notre exercice, c'est soit le signal X de T donné par X de T égale à 0 pour T inférieur à moins 2. 2 plus T, c'est T compris entre moins 2 et moins A. 2 moins A, c'est T compris entre moins A et A. Avec A, il prend une valeur entre 0 et 2. 2 moins T, c'est T compris entre A et 2. 0 pour T supérieur ou égal à 2. On vous demande de représenter le signal X de T, puis moins X de T. Après, représenter le signal X de T plus 2, X de T moins 2. C'est clair? Quatrième exercice, montrer que le produit de deux signaux pairs ou bien impairs est un signal impair. Et le produit d'un signal pair par un signal impair est un signal impair. C'est la même chose. Kingoulou, plus fois plus égale à plus. Le moins fois plus, moins égale à plus. Le moins fois plus égale à moins. Le plus fois moins égale à moins. Trouver les parties paires et impaires des signaux suivants. Donc, on a un signal, on peut dire la représentation de x de t, il y a la somme d'un signal, une partie paire plus une partie impaire. La partie paire, il y a 1/2 de x de t plus x de moins t, ou la partie impaire, donc avec paire, ou la partie impaire, il y a 1/2 de x de t moins x de moins t. Donc, un x de t, il y a exponentielle moins 2t par cosinus t. Y de t, il y a cosinus t plus sinus t plus sinus t par cosinus t. Bad, on vous demande de représenter les parties paires et impaires des signaux suivants. G de t égale à l'échelon U de t, ou H de t égale à l'échelon de t moins 2. Cinquième exercice, exprimer le signal échelon en fonction des signaux signés de t seulement. Donc, les gens, je donne maintenant la chaîne, ils peuvent regarder les vidéos de l'Oulin Klaken, la partie TD l'Oulin Lihatidan, qui est un exercice comment représenter un signal échelon à partir de la fonction signée. Donc, vidéo, exercice, qui est la hédiba. Après, on vous demande d'exprimer le signal rect en fonction des deux signaux échelons. On a oublié la fonction rect, la dérivée, c'est la somme de deux échelons. Ou la dérivée de la rampe, il y a rect. Ou la dérivée de l'échelon, il y a Dirac. D'accord? Donc, il y a des informations par cœur. Donc, toujours, il faut que vous les cours, vous des notes, vous un résumé de tel cours. Maintenant, vous passez la partie exercice. Vous pouvez vous faire un cours, vous pouvez vous faire le cours, parce que le cours toujours est l'exercice, tu peux تحل قدام الاكزرسيس مي مش لازم في ليزامان يطيح لك لو ميم اكزرسيس دونك راح تجيك حاجه تشبه ولا راح تجيك حوايج قريتيهم في الكور دونك تستخدم المعلومات اللي قريتيهم في الكور تاعك داكور ابري اون فو دوموند سامبليفيي لي اكسبرسيون سويفونت x de t égale à t carré moins 2t plus 3 fois plus 3 fois Dirac de t
y de t cosinus t plus t fois direct de t, z de t égale à 2t moins 1 fois direct de t moins 1. Les exercices supplémentaires كاينين في la vidéo اللي قبل دونك ما حبيتش نبقى نعاودهم لهنا عاودت غير لي زيكزارسيس برك اللي راح ندير لا كوريكسيون تاعهم اليوم في لا فيديو هذه داكور دونك هادم لي جون انتريسي يقدروا لا يرجعوا لا فيديو نورمالمون تاع 18 فيفري سي سوليسيون تي دي ان جينيراليتي سور لي سينيو تلقاوهم لي زيكزارسيس هادم سوبليمونتير دونك هنا راح نديروا كلكو زيكزارسيس كوريكسيون والباقي حاولوا ديروه وحدكم سي فو تروفي دي ديفيكولتي تقدروا تبعثوا لي La correction تاعكم par mail, on corrige لكم انا ونقول لكم voilà واش هما لي بارتي صحاح ولا لي بارتي الغالطين. Donc, قلنا في ليكزارسيس الاول سي لا ريبريزونطاسيون دي سينيو. عندنا on a commencé par direct de t plus 2, donc c'est une impulsion de direct l'amplitude تاعها 1 et avancée de 2. Donc, راح تكون تبدا كيف نلقاوها toujours نحطوا ما بين القوسين لهنا، سي t plus 2 égale à 0. T égale à moins 2, donc nous sommes à faire moins 2, tout simplement. Là, par exemple, t moins 3 égale à 0, donc t égale à 3, on va le 3, on trace à l'amplitude t égale à 1. Là, il faut faire attention, l'amplitude égale à 2. Où il y a t moins 1 égale à 0, donc t égale à 1, on va le 1, on trace le signal t. Donc, on chauffe l'échelon, là, on chauffe l'échelon par définition égale à une constante pour t supérieur ou égale à 0, égale à 0 ailleurs. Donc, il y a un échelon d'amplitude T au 1, où il y a T égale à 1. Donc, il y a le moins l'infini à 1, 0, le 1 plus l'infini, il prend la valeur 1. Deuxième signal échelon, où l'amplitude T au égale à 2, où il y a T égale à moins 2. Donc, il y a le moins l'infini, le moins 2, c'est 0, ou le moins 2 jusqu'à plus l'infini, il prend la valeur 2. Troisième signal, c'est y de t, il y a la différence entre deux échelons. Donc, on trace le signal l'échelon t et l'oul. Les roues, échelon de t moins 1, donc yibdam le 1. On trace le deuxième échelon, l'amplitude t, c'est moins 2, ou yibdam le moins 2. D'accord? On trace une bande de la somme, parce que le signe est moins là. On cadre un tracé le plus 2, on va dire la différence. D'accord? Vous avez le choix. Il y a un tracé au bel moins 2, ou dire la somme, ou la tracé au bel 2. Ou dire la différence des signaux. Donc, là, j'ai le signal résultant y de t. Donc, un des 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 2, c'est moins 2. 0 moins 2, c'est moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. D'accord? Ou yahbis, le signal t. Quatrième signal, ou z de t, c'est la fonction rampe de t moins 1, moins 2r de t moins 2, plus rampe de t moins 3. Ou r de t est la fonction rampe. Nous avons tracé R de T moins 1, donc c'est une rampe, nous avons min 1. L'amplitude de T, c'est 1. Deuxième signal, nous avons moins 2 R de T moins 2, donc c'est une rampe, nous avons min 2. D'accord? Ou le T, parce que je me trouve à du signe moins. Troisième, nous avons R de T moins 3, donc nous avons 3, ou il y l'amplitude de T au max, ça va 1. Le signal résultant, donc, on dit 0, 0, 0, 0, c'est 0, 0, 0, 0, c'est 0, on dit 1, moins 2, c'est moins 1, avec 0, c'est 1, donc, t'as ainsi de suite, j'aurai ce signal résultant. Donc, on s'en a la fonction signal rectangulaire, ou là, la fonction porte, on a la rec de t sur grand t, là, il faut faire attention, l'amplitude égale à a, là, il faut mettre A ici, qui est Naralta. Donc, c'est A et c'est T compris entre moins T sur 2 et T sur 2, 0 ailleurs. Donc, là, madame, la période égale à T. Donc, là, il faut mettre moins T sur 2 jusqu'à T sur 2. Là, la somme de les deux, c'est T. D'accord? Donc, T, il y a la largeur, tu as le signal. Donc, dans l'exercice, on a un W, c'est 3 rectes de T moins 1,5 plus rectes de T moins 2 sur 2. D'accord? Donc, là, on peut mettre la forme pour trouver la période. Donc, on écrit 3 rectes de t moins 1,5 sur moins 1 plus rectes de t moins 2 sur 2. Qui nous trace le signal loul, qui est rectangulaire de t moins 1,5. Donc, on va un signal. Il y a des concentres t au fil 1,5 ou la période t est égale à 1. On a dit là, d'accord. Ou l'amplitude t au c'est 3. Donc, là, on va tracer la forme. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude grand A égale à 3
Le centre, c'est 1 demi. La largeur, t égale à 1. Deuxième signal, c'est règle de t moins 2 sur grand 2. C'est un règle centré F2. La largeur, tu as la fenêtre théo, c'est 2. Donc, un des 3 moins 1, c'est 2. D'accord? Donc, l'amplitude grand A égale à 1. Le centre, c'est 2. La période, c'est 2. Voici le signal résultant. La somme des deux signaux. Donc, un des 0 moins 0, c'est 0. 3 moins 0, c'est 3. 0 moins 1, c'est 1. 0 moins 0, c'est 0. D'accord? Donc, c'est le signal résultant. On passe l'exercice numéro 2. Voilà, différence à deux fonctions échelons. Donc, un des signaux qui représentait x1 de t, le signal résultant à la différence à deux échelons, il y a la forme. Donc, tu as la vidéo. Donc, il y en a qui fait le signal résultant. Deuxième signal, x2 ou moins r de t moins 2 plus 2 r de t moins 3 moins r de t moins 4. Nous tracerons. Ou le signal résultant x2 ou la différence entre les trois signaux ou la somme, va être la forme هذه, d'accord. Donc la vidéo donc on a la nature de x1 x2, nous disons voilà x1 ou x2 ce sont des signaux déterministes car on connaît leur comportement à travers le temps et on peut les décrire mathématiquement, donc on peut avoir l'expression analytique ou la formule. Après, on passe à la troisième question, c'est de calculer l'énergie du signal. On a la différence de deux signaux échelons de T. On a un signal rectangulaire, la période T égale à 2, ou son trèfle 1. Donc, on a 1 pour T compris entre 0 et 2, 0 ailleurs. Donc, c'est un signal à énergie finie. D'accord? On a qui n'a pas l'énergie T. On a oublié la formule de l'énergie. C'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de x1 de T élevé au carré dt. Donc, c'est un intégral 0 le 2, tu as 1 dx. Donc, c'est x entre 0 et 2. Je n'ai l'énergie égale à 2. Pour la représentation du signal x3, les roues à la somme x1 ou x2, je n'ai pas l'énergie. La vidéo qu'on a fait tracer les signaux, donc on se met le premier, on se met le deuxième, on se met le normal. Donc, il va sortir le signal résultant de cette forme. Donc, x1 ou x2 de cette forme. D'accord? On passe l'exercice numéro 3. On a un signal x2t, la forme 0, il est égal à 0 pour t inférieur à moins 2, égal à 2 plus t qui compte t compris entre moins 2 et moins 1, et compte 2 moins a qui compte t compris entre moins a et plus a, et compte 2 moins t qui compte t compris entre a et 2, 0 pour t supérieur à 2, bien sûr avec la condition, les voilà, a est mahsoura ben 0 ou 2. On va représenter le signal, la forme هذه, donc 0, et compte l'équation de cette droite, bat une constante de 2 moins a, bah, toutes les équations de cette droite, bah, il prend la valeur 0. Donc, il dit moins x de t, c'est-à-dire que nous allons changer le signal t et la partie négative. On dirait que nous allons dire que nous allons faire l'axe des x. D'accord? Donc, il dit le signal résultant de cette forme. Maintenant, pour la représentation du signal x de t plus 2 ou x de t moins 2, donc là, nous allons faire le signal t et nous allons décaler. Il y a moins 2, d'accord? Donc, nous allons dire un décalage. X de t plus 2, il sort le signal résultant de cette forme. Donc, d'accord? Donc, là, nous allons dire 2, tous les 2 moins 2, donc 0, il va être la forme. Par contre, pour t égale à moins 2, pour t moins 2, donc le signal t est de cette forme. D'accord? Les gens, les meilleurs, la représentation des signaux, c'est simple. Donc, tu as des valeurs, tu as le signal T, ou tu mets les valeurs T, maraté, tu as 5, tu as 6, tu as 4, tu as 2, tu as 3, tu as moins 1, ou tu as pour chaque valeur qui m'a fait le mat normal, ou tu as la valeur de ta signal. On passe l'exercice numéro 4, x de T égale à exponentielle moins 2T, cosinus T. Donc, là, on a maintenant le signal, tu as la forme un signal plus un signal impair. Là, x pair, on a toujours c'est 1 demi de x de t plus x de moins t. La partie impair, c'est 1 demi de x de t moins x de moins t.
pour x de moins t, rachetou les cos exponentielle de t cosinus moins t. Le cosinus, il y a une fonction paire. D'accord? Donc, rachetou les l'exponentielle de t cosinus t. Donc, il y a un x paire, tout les 1 demi. La partie, il y a une galta. Parce que les t, il y a un peu de moins 1. Les m'kou n'a un moins 1. Je ne sais pas si les commentaires, ils disent que c'est un moins 1. D'accord? Donc, tout les. Pardon. هو ديجا السينيال بير عنده لو موان ديجا في الامبير دونك راح يرجع بالبلوس دونك يولي بلوس سي جوست لا بارتي هذه داكور دونك انا اللي تخلطت لي حسبتها البير هي ديجا اكس دو تي والامبير تولي موان موان دونك نو في لا فورمول ديجا عندي ان موان دونك نزيد نضربو مع لو موان يرجع ان بلوس دونك يولي لي البير سي ان دومي دو اكس دو تي بلوس اكس دو موان تي نعوض الاكس دو تي تي بلا فالور تاعو والاكس دو تي بلا فالور تاعو Donc, le cosinus par exponentielle de t plus exponentielle moins de t sur 2, d'accord, ou un cosinus x. Donc, la partie paire du signal, il y a cosinus t par cosinus de t, d'accord, de t. La partie impaire, c'est 1 demi de x de t moins x de moins t. Donc, il y a moins cosinus t par exponentielle de t moins exponentielle de t. Nous allons faire في الجي لهنا نضربو نقسم على الجي دونك تولي لي موان كوسينوس تي بار سينوس دو تي ملتيبلي بار جي داكوغ كاينه غلطه لهنا دونك نضربو جي باسكو لهنا بوغ افواغ سينوس لازم نضرب ونقسم في الجي سينيال دوزيام بارتي الإيغيك دو تي اللي هو كوسينوس تي بلوس سينوس تي بلوس سينوس كوسينوس نعرفو نعوضو إيغيك دو موان تي هو كوسينوس تي باسكو الكوسينوس سي اون فونكسيون امبير Le signal sinus, c'est une fonction impair, paire par impair, et oui, impair. Donc, j'aurai la partie paire du signal, il y a cosinus t, ou la partie impair du signal, il y a sinus t plus sinus t par cosinus t. D'accord? On passe rapidement l'exercice numéro 4, c'est juste la vidéo, mais je suis là. Donc, on a le produit des deux signaux paires P1 et P2. Donc, on, dit, si on suppose S de T, il y a P1 de T par P2 de T. S de moins T, ça sera S P1 de moins T par P2 de moins T. Donc, on dit P1 de moins T est égal à P1 de T, P2 de moins T. Donc, le signal T, voilà, et les paires. Par contre, le produit des deux signaux impairs, il y a le signal résultant est barré à un signal pair. Donc, qui m'a dit dans le maths normal, plus, plus, c'est plus. Le moins, c'est plus. Le qui compte deux signes différents, il y a impair. D'accord. Donc, on a le produit d'un signal pair par un signal impair, il y a un signal impair. Après la partie numéro C, on vous demande de représenter les parties paires et impaires des signaux suivants. Donc, on a Y de T, l'échelon unitaire. La partie paire du signal, on a paire, il y a G de T plus G de moins T sur 2. Donc, il y a un échelon de T plus échelon de moins T sur 2. Pour la partie impaire, ou à l'échelon de T moins échelon de moins T sur 2. D'accord? Donc, how to trace le signal T, l'échelon de T sur 2. Donc, l'amplitude T égale à 1,5. Un échelon de moins T sur 2. Donc, le maïkous fait le sens. La somme T'ahem, how to trace le une constante de moins l'infini à plus l'infini qui est égale à 1,5. Par contre, deuxième, how l'échelon de T divisé par 2, c'est 1,5, donc la partie positive. N'a moins 1,5 fait la partie négative. La somme est moins 1,5 fait la partie négative et plus 1,5 fait la partie positive. D'accord? Bah, on dit H de T, ou un échelon de T moins 2, un échelon décalé à droite. La partie paire telle H, il y a H de T plus H de moins T sur 2. La partie impair, il y a H de T, H impair de T. Et h de t moins h de moins t sur 2. Donc, on dit h de t sur 2, 1,5. Donc, rachetabdam 2, 1,5. L'okhra, rachetkoum l'hna. On va dire la somme des deux. Rachetkoum h, le signal résultant paire de cette forme. Par contre, pour la partie impaire,
Donc, une trace H de T sur 2 moins H de T moins 2 sur 2. Le signal résultant va être la forme HEDI. Donc, il prend la valeur moins 2 pour T compris entre 1 demi, pardon. Moins 1 demi pour T compris entre moins l'infini et moins 2. Il prend la valeur plus 1 demi, 2 jusqu'à plus l'infini. Cinquième exercice, nous allons voir la fonction échelon en fonction de la fonction signe. Nous avons l'échelon A égale à une constante pour T positif 0 plus l'infini. Où la fonction signe, elle prend deux valeurs. Elle prend la valeur moins 1 pour T négatif et prend la valeur plus 1 pour T négatif. Nous avons la fonction signe, nous avons 1. D'accord? Donc, nous avons 1 moins 1, c'est 0. 1 plus 1, c'est 2. D'accord? Nous allons faire fois 1 demi, mais 2 divisé par 2, nous allons faire 1. Donc là, voilà, j'ai récupéré ma fonction échelon. Donc tout simplement, je peux mettre l'échelon, la forme de 1 demi signe de T plus 1. D'accord? Maintenant, on passe pour la représentation de la fonction rectangulaire en fonction de la fonction, en fonction de le signal échelon de T. Donc, quand dit l'échelon, on peut représenter la forme HEDI. Donc, il prend la valeur 1, 0, plus l'infini. La fonction recte, elle prend moins 1,5 et plus 1,5, elle prend la valeur 1 et 0 ailleurs. Donc, on peut tracer un échelon décalé T plus 2. Donc, on peut dire la forme HEDI. On peut dire notre échelon, il peut dire moins 1 plus 1,5, mais il peut inverser. Il peut dire que je vais récupérer. Je vais récupérer le signal T. Donc, il lit 0 ma 0, c'est 0. 1 ma 0, c'est 1. 1 ma 0, c'est 1. 1 ma moins 1. Et déjà, on dirait une forcée, il y a 0. Donc, je vais récupérer mon signal rectangulaire. Donc, j'aurai tout simplement le rect de T, ou un échelon de T plus 1,5, moins un échelon de T moins 1,5. Pour les gens qui m'ont ajouté sur la chaîne, il y a toujours les vidéos qui sont en train de se faire des séries de TD sur la chaîne. J'ai bien détaillé les exercices. Je vais vous donner des séries de TD qui sont là où j'ai bien expliqué comment avoir des signaux, par exemple l'échelon à partir de signe ou le rect à partir de l'échelon. D'accord? Donc là, on a dit rapidement parce que nous avons déjà fait. La partie numéro 3, on vous demande de simplifier les expressions suivantes. On a x de t et t carré moins 2t plus 3 par Dirac de t. On va poser f de t et t carré moins 2t plus 3. Donc, on aura x de t et f de t par Dirac de t. Et donc, on a les propriétés. On a f de t par Dirac de t. C'est la même fonction qui a t par 0. Donc, j'aurai f de 0 par Dirac de t. F de 0, c'est-à-dire je vais remplacer t par 0, donc par les 3. Donc je peux avoir x de t, mais la forme de 3 Dirac de t. D'accord? Qui m'engole toujours, les m'tqraou le cours, dire un résumé, fil hwej, le mohimma fil le cours kamel, avant de passer les exercices, mais je t'aider à comparer où je t'aider au fil le cours, mais où je t'aider au fil l'exercice. 4 signal y de t, l'éhoam la forme cosinus t plus t par Dirac de t. On va poser f de t et cosinus t plus t. On a y de t, f de t par Dirac de t. C'est la même chose, c'est f0 par Dirac de t. On a f de 0, cosinus 0, c'est 1. D'accord? 1 plus 0, c'est 1. Donc 1 par Dirac de t, j'aurai y de t ou à Dirac de t. On termine avec z de t qui est égal à 2t moins 1 par Dirac de t moins 1. Kif kif, on dirait un changement de variable. C'est mieux à dire sur une fonction f de t, il y a 2t moins 1. Donc j'aurai z de t, f de t par Dirac de t moins 1. Il y a ibara un f de 1. Je suis qui Dirac t, ou à moins 0, qui est f0. Qui est un t moins 1, qui est f1. Qui est un t moins 5, qui est f de 5. Je vais remplacer t par 1, donc j'aurai 2 moins 1, c'est 1. Donc 1 par Dirac de t moins 1. Donc j'aurai z de t, il y a Dirac de t moins 1. Donc là, nous sommes à la fin de la série d'exercice numéro 1. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques.
في الاخر نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. je vous promets de faire d'autres exercices. Donc la prochaine vidéo inchallah c'est la solution d'une série de TD sur l'analyse de Fourier. Si vous avez besoin d'autres modules ou bien d'autres cours ou là d'autres exercices de traitement de signal, vous m'indiquez barque le commentaire. Je vous remercie infiniment. Et la prochaine vidéo, Inch'Allah.